Porsche 992 Sport Classique, les amis, ça fait un moment, un très long moment que j'attendais cette auto. C'est peut-être la seule qui peut détrôner pour moi la GT3 en tant que voiture de l'année et on n'est qu'au mois d'avril. La Sport Classique, c'est quoi ? Sur la 992, la Sport Classique, c'est le nouveau modèle de la gamme Heritage après la Speedster, après la Targa Heritage Edition. On fait une ode, une sorte d'ode à la 997 Sport Classique qui était sortie à la fin des années 2000, qui était limitée, elle, à 250 exemplaires. Ici, on a une version limitée à 1250 exemplaires. La 992 Sport Classique, c'est une base de turbo avec les ailes larges, avec un châssis à mi-chemin entre une turbo et une GTS en termes de train roulant. Et le moteur, le flat 6 biturbo 3,745 cm3, de la turbo, plein de couple, mais très légèrement dégonflé, à 550 chevaux et 600 Nm de couple. Tout ça pour pouvoir encaisser la pièce maîtresse de cette auto, c'est la boîte méca, 7 rapports. Niveau look, elle est juste incroyable. Pour moi, c'est la plus belle des 911 de ces 20 dernières années. Les hanches larges de la turbo, mais sans les ouïes. Juste le petit détail, sans les aérations sur les ailes, absolument incroyable. C'est sublime. Traitement turbo à l'avant, les jantes type Fuchs 20 et 21. Finition polie, ça lui va diablement bien. Le ducktail qui fait partie intégrante de la carrosserie, c'est pas une pièce rajoutée en plastique, qui termine cette ligne absolument incroyable. Tout est juste là-dessus, tout est beau, tout donne à cette auto encore plus le sens de l'occasion, vraiment, pour une 911. Ici, on a les décos, vous pouvez ne pas les prendre sur les côtés, et vous avez les bandes, ici, sur le toit et le capot, qui sont spécifiques, on a un capot carbone, légèrement bosselé, le toit également. Le seul moyen d'enlever ces bandes, ce sera de faire un PTS. Bande rugueuse, eh, ça passe bien. À l'intérieur, c'est pas fini. Regardez-moi cet intérieur, c'est sublime. Je suis totalement fan de l'intérieur de cette auto. On a Porsche Exclusive qui est à 1000 paquets sur cette auto. Exclusive Manufacture qui met du cuir partout. Contreporte, tableau de bord, colonne de direction. Même les aérateurs sont en cuir. C'est hallucinant. La qualité du cuir et la qualité de la sellerie est tout bonnement parfaite. Et on a ici les sièges sport avec des réglages sur 18 voies qui pour moi sont les meilleurs sièges qu'on puisse mettre sur une 911, notamment avec une volonté un peu GT comme cette 992 Sport Classique. Ouais, ça bouge un peu. Waouh. La sellerie Pepita, celle-ci, avec le cuir cognac et le pied de poule, ça éclaire cet habitacle qui n'a pas de toit ouvrant. Le traitement est superbe. Et on a le bois ici. Le bois à port ouvert qui donne vraiment un côté un peu à l'ancienne à cette 911. Et alors, vous le savez, mais j'adore le bois dans une auto. Pour moi, c'est la meilleure finition qu'on puisse avoir. Et on a le petit badge ici, 911 Sport Classique. 1099 sur 1250. Et le ciel de toit en suédine à port. C'est juste magnifique en fait. Pour moi, tout est parfait. Pour moi, cet intérieur est parfait. On a des sièges arrière. Vous savez que j'adore ça dans une 911. Vous pouvez les rabattre pour avoir 264 litres de coffre ici. À l'avant, vous avez toujours 132 litres ou un Victor Jaguar. Oui, attends, je te jure, on va essayer. Attends. Tu te mets comment? Comme ça, là? Ouais. Ferme pas, ferme pas. On rentre un Victor Jabouille dans la Sport Classique. Faire une story. Et tout ça, ça donne vraiment envie de voyager. On a les compteurs verts à l'ancienne, comme on l'avait sur la Targa. C'est délicieux. Tout est agréable au toucher, agréable à regarder. On a
quand même 550 chevaux et 600 Nm. Sachant que chez Porsche, même si on a quand même 1650 kg à déplacer ici, c'est 70 kg de moins qu'une turbo, mais ça reste 60 kg de plus qu'une GTS. Mais on a ce moteur Porsche et cette boîte méca qui va vous donner la sensation d'avoir beaucoup plus de chevaux. Oh, la poussée est incroyable. Porsche fait des boîtes méca qui vous donnent l'impression d'avoir beaucoup plus de chevaux que dans la même version en PDK. Elle n'existe pas en PDK, elle n'existe qu'en boîte méca. Mais la poussée est pas beaucoup moins importante que sur une turbo S en PDK. Pour vous donner un petit peu le truc, ça pousse très très fort. Le moteur est d'une souplesse et d'une onctuosité incroyable avec cette boîte méca. Les 600 Nm de couple sont disponibles de 2 à 6000 tours minutes. Ce qui fait qu'on a une courbe qui fait comme ça et une très belle plage d'utilisation étant donné qu'à 6500, vous avez la puissance max qui arrive. Et à 1200 tours, vous avez déjà, je pense, 70-80% du couple max. Un petit lag des turbos, mais juste ce qu'il faut pour avoir ce petit côté aussi à l'ancienne, couplé à la boîte méca. C'est délicieux, c'est délicieux, c'est d'une onctuosité. Ça vous donne envie d'avaler des kilomètres par paquet de mille. J'ai envie de faire le tour du monde avec cette auto. J'adore, j'adore. Et j'ai envie de voyager. J'ai envie de me faire un tour d'Europe, un tour du monde avec cette auto. Parce qu'en plus, pour la ville et pour le côté pratique, vous avez une super caméra 360 degrés. Vous avez une rétrovision et une vision des angles morts des trois quarts qui est juste parfaite. Les quatre roues directrices font braquer les 4,50 m de la voiture dans un mouchoir de poche. Celle-ci, elle est un petit peu plus large, comme je vous disais, carrosserie de la turbo, 1,90 m de large, c'est 5 de plus qu'une GT3 ou qu'une Carrera classique. Mais ça reste une voiture plutôt compacte et elle a le sens de l'occasion. Elle a le sens de l'occasion. Là, je suis en mode sport, vous avez le talon pointe automatique que vous pouvez désactiver en mode sport ou que vous pouvez même activer en mode normal. Sur autoroute, il n'y a aucun souci, hyper bien insonorisé. Vous pouvez même couper l'échappement, vous mettre en mode normal, cliquer une septième et vous cruisez à 2000 tours, à 2100 tours, à 130. Ça fait pas de bruit, ça consomme pas grand chose. Sur les grands road trips, vous serez à 10 litres de conso. Enfin, compte tenu des performances de l'auto, c'est peanuts, c'est rien du tout. Après, si vous conduisez un petit peu sport et dynamique sur une petite route de col, bon là, vous serez à 17 litres, mais il n'y a pas de secret. Mais si vous voulez rouler, talon pointe automatique, 3e, 3000 tours minutes, et là, ouah, la poussée. Ah, et là, il pleut. Le grip passe quand même. Vous pouvez, c'est une propu, hein, c'est une pure propu. Vous pouvez drifter avec l'auto, c'est pas un problème, elle le fait très bien. Mais elle est d'une rigueur et d'un mix sportivité-confort qui est ultra intéressant. Parce que c'est une vraie GT, c'est une voiture qui a vraiment cette addiction au voyage. Mais vous pouvez faire du dynamique, voire du très sportif avec, parce que vous avez ce moteur de la turbo qui est un petit peu moins caractériel en termes de sonorité. Et en termes de comportement que celui que le 3 litres, on va dire, mais qui a quand même ce caractère de turbo qui pousse dès les bas-fonds, qui pousse très fort, très loin. Ça va prendre 7000 et c'est rare que j'ai envie de 1000 tours de plus sur une Porsche. Ça s'essouffle pas. Et là, le châssis, c'est pas aussi tranchant que celui d'une GT3. C'est pas du tout aussi acéré. Par contre, c'est très précis. Vous avez une super direction, très directe, qui vous informe énormément, moins qu'une GT3 bien évidemment. Mais vous avez un feeling et la voiture vous met en confiance. Vous pouvez adopter des rythmes absolument hallucinants avec cette auto sans le moindre effort. Elle a ce côté effortless de la turbo, complètement, qui est addictif. Et la poussée et ce levier. Et cette boîte méca, extrêmement bien guidée, avec des verrouillages fermes, précis. Vous décomposez, la voiture vous récompense, vous rentrez l'auto, hop, ça bouge. Et en sortie, elle vous indique qu'il faut débraquer, elle vous communique. C'est délicieux. C'est sublime. C'est peut-être la meilleure GT que j'ai jamais roulée de toute ma vie. C'est une GT. C'est une GT à tendance ultra sportive, parce que vous pouvez attaquer de manière un peu directe avec. La voiture vous dira, il n'y a pas de problème. Mais son truc, c'est de cruiser tranquillement, un petit coup rapide. Et c'est là qu'elle va vous récompenser le plus parce qu'elle est vraiment faite et parfaite pour ça.
Cette voiture est un délice dans tous ses aspects. Je suis vraiment désolé, j'arrive pas à être très objectif parce qu'il n'y a pas grand chose que je peux lui reprocher à cette auto. Peut-être son prix, 280 000 euros de base. Celle-ci est bien optionnée, mais il n'y a que 4 000 euros d'options parce qu'il y a énormément de choses de série avec cette version sport classique. Délicieux Range Rover qui vient de passer. À la limite, ça manque de son, mais une ligne pour combler cette lacune. Là, on est sur un dévers qui va vraiment, un changement de cambrure de la route qui met extrêmement bien en défaut des châssis. Là, la voiture branche pas. Elle a pas ce côté viscéral de la GT3 ultra sportif, ultra tranchant. En revanche, elle a vraiment ce côté sens de l'occasion, grosse GT, voyageuse, de toute beauté. C'est la plus belle des Porsche pour moi. Et ce moteur, les amis. Et les freins céramiques. Et les céramiques, 410 mm à l'avant, 390 à l'arrière. C'est infatigable, on a un super feeling. C'est d'une rigueur. Et en même temps, d'un côté sensoriel, d'un côté excitant. On a toute la rigueur allemande, avec toute l'excitation qui puisse exalter d'une 911. Je me demande si je prendrais pas ça par-dessus une GT3 pour son côté GT. C'est peut-être l'âge qui veut ça. Hein. J'aurais vraiment du mal à répondre à cette question, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, les amis. J'espère en tout cas que vous avez aimé cet essai de la 992 Sport Classique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Si c'est pas déjà fait, il y a encore plein de belles choses qui vont arriver cette année. Je sais pas si vous avez vu ce début d'année en trombe, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Donc, je vous retrouve très très vite, les amis, pour de très belles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Allez, à bientôt, les amis. C'est pourquoi ça limite pas pareil? Parce que je contrôle.